Le groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble est un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un ESPIC, qui participe au service public hospitalier depuis plus de 60 ans. L'établissement, de par sa taille, se positionne en tant que deuxième acteur de santé dans l'Isère, avec plus de 430 lits et places et un plateau technique conséquent à la pointe de la technologie. Le groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble, ce sont 35 000 passages annuels aux urgences, 1 700 accouchements par an et plus de 16 000 interventions qui y sont réalisées chaque année. Le groupe Hospitalier Mutualiste, concernant son plateau technique, a trois plateaux constitués par le bloc central, le bloc endoscopie et le bloc maternité, auquel il faut ajouter un quatrième qui lui est à la pointe de la technologie, qui est le bloc de cardiologie interventionnelle. Le bloc central est constitué de 14 salles opératoires avec une salle de réveil de plus de 25 postes. Le bloc de cardiologie interventionnelle dispose de 3 salles. Le bloc obstétrical dispose de 2 salles de césarienne, de 5 salles de naissance, d'une salle nature avec en particulier la maison de naissance, d'une salle de pré-travail. À tout cela, il faut ajouter les laboratoires qui sont intégrés à l'établissement. Au niveau de la filière oncologique, un service de radiothérapie avec 3 accélérateurs. Et en termes de diagnostic, nous disposons également au sein de l'établissement un service de médecine nucléaire et adossé à l'établissement un centre de radiologie avec scanner, dont un scanner dédié spécifiquement à la prise en charge des urgences, IRM, échographie. Au sein du GHM, sur le plan chirurgical, nous retrouvons, à l'exception de la neurochirurgie et de la chirurgie pédiatrique, toutes les spécialités. Sur le plan médical, nous avons la chance d'avoir dans nos murs un service de médecine interne polyvalente qui, après le CHU, est le seul service d'hospitalisation en médecine sur l'agglomération. Nous avons également un service de gériatrie, un service de soins de suite et réadaptation. Sur le plan de la cardiologie, un service de cardiologie qui est très dynamique avec de la cardiologie interventionnelle de très haut niveau. Et toutes ces activités s'articulent avec, lorsque le besoin s'en fait sentir, une unité de soins continus composée de 12 lits ainsi qu'une unité de soins intensifs cardiologiques. Les équipes sont particulièrement dynamiques, les projets foisonnent, alors n'hésitez pas à nous rejoindre.